Musulman là, en Haïti. T'es chargé, t'es chargé. On a ça l'abdi, on a ça l'abdi. Musulman en Haïti. Bon. On a avec nous le frère Zakaria. Il vient de Montréal. Zakaria a déjà quelques jours en Haïti. Et comment est-ce que déjà vous adaptez avec la communauté musulmane en Haïti? Je crois que toutes les communautés musulmanes à travers le monde sont à peu près pareilles. Donc, est-ce que vous voulez ça en créole ou... Parlez l'anglais. Non, mais c'est pour moi. En créole, aucun problème. Okay. Bon, on pensait comme si chaque communauté dans le monde, c'est pareil. C'est nous gagner même petit problème, même petite facilité. C'est seulement nous besoin comme si de traverser ça et puis se réunir pour le mieux. Ou visiter toute mosquée? Presque toute mosquée. On fait Tawhid, Fatiha, on fait ici dans Delma 19, on fait Pernier, on fait Orphelina Albeina, et puis on fait mosquée dans la Cité Soleil tout. Qui sont retenus comme qui t'a plus positif ou dans toute mosquée ça? On pensait comme si, alhamdoulilah, gain en même pensée. Comme si tout le monde y a voulu trouver la vérité dans Haïti et c'est ça son bagage qui est bon. Parce que nous venons dans l'autre place comme si le monde qui a rattaché à l'idéologie qui sont innovatrices, qui sont pas dans la religion, non pas dans la sunna. Donc dans Haïti, alhamdoulilah, le monde a cherché la vérité, ça son bon bagage. Dans le cadre de travail et dans la communauté musulmane d'Haïti, c'est qui ça lié? Bon. Ça vous voulez dire par qui ça lié? C'est-à-dire que vous venez ton là... Ton travail consiste en quoi? Bon, moi-même, je viens pour cause humanitaire, pour venir aider les frères dans l'orphelinat. Et puis, alhamdoulilah, bon, gain en l'épreuve, gain en facilité. Donc, tout le monde vient dans la subhanahu wa ta'ala, so nous comptons quand même et nous disons alhamdoulilah. Et puis, c'est ça, nous faisons un travail d'art, nous faisons un travail humanitaire. Ou vivre avec musulmans haïtiens depuis longtemps là, de faire quelques petits marches avant moi, oui, puis les musulmans qui connaissent, surtout dans la zone Orphelina, qui sont haïtiens qui va musulmans. On voit ça comme haïtien musulman, c'est un monde qui voulait chercher la vérité, parce que nous connaissons déjà haïtiens, c'est un monde qui est très croyant, qui vraiment, même nous-mêmes dans le Canada, église remplie d'haïtiens. So, c'est même bagaille ici, c'est le monde qui cherchait la vérité, c'est le monde qui a voulu apprendre tout le temps. So, alhamdoulilah, c'est le monde comme si Wab dit bonjour, il dit bonjour. Même si on voit monsieur comme si avec un petit regard croche depuis Wab dit bonjour, c'est un sourire qui a venu et puis parole facile, alhamdoulilah. Est-ce que une famille haïtienne ou bien qui compte vous parler après une balle créole? Bon, non, moi-même sont... Parler créole là, mais est-ce qu'on est haïtien? Non, moi-même originaire d'Algérie, 100% algérien, alhamdoulilah. Et puis, bon, je grandis dans Montréal. Dans une zone qui est peuplée dans beaucoup d'Haïtiens, Montréal, dans Rivière des Prairies, nous connaissons le monde dans le secteur qui est Saint-Michel, puis Neuf. Un paquet d'Haïtiens, so... bon, nous besoin apprendre la langue pour, comment dire, pour aller avec le flow, pour... Hein? C'est aussi bon, pour ne pas laisser mon yo parler sous dos. Zakaria, second en message, par exemple, t'as lancé à partir de constat auprès de communautés musulmanes d'Haïti en particulier, et à musulmans, puisque vous-même peut-être vous êtes non plus grand, ou bien en communauté qui peut être capable de vous structurer, et qui s'en d'appeler. Bon, si je gagne un conseil, c'est unir, chercher, comment dire, chercher les ressemblances et pas chercher les divisions. Ce sont un bagaille numéro un. Pas commencer comme si faire une division avec Medheb ou bien comme si Minhej ou Bagh. Non, toujours chercher la ressemblance pour essayer d'avancer vers le meilleur. Pas essayer de chercher le défaut chez le frère, mais d'essayer d'aider le frère à améliorer son défaut pour en faire une force. Parce que, comme le dicton d'Haïti le dit, l'union fait la force. Et ça, son bagaille qui islamique tout. So, nous besoin faire union et puis chercher la ressemblance entre chaque musulman et chercher et voir le positif chez le frère, pas chercher le négatif ou bagaille comme ça. Bon, prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, comme si
nous obligés comme si toujours trouver 70 excuses pour chaque frère. So, c'est ça, oui. C'est chercher l'excuse chez le frère et avancer avec elle. Et puis pas comme si la guerre frère derrière et puis il voulait avancer tout seul. So, l'union fait la force. On te fait moi à communauté musulmane Montréal et c'est bon. Bon, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça, c'est pour mes frères à Montréal. Haïti, c'est un très beau pays. Machallah, c'est un magnifique pays. Les gens sont magnifiques, machallah. Ils veulent toujours apprendre. So, essayez de venir avec des livres. Essayez de venir avec une certaine connaissance entre frères, inchallah, et tout ça. Et venez partager l'islam avec nos frères musulmans d'Haïti et avec les gens qui veulent découvrir l'islam en Haïti, inchallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.